Salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online pour vous présenter tout simplement une magnifique tenue modée sans codage, jaune et noir et sans jogger la team. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me fera extrêmement plaisir. Du coup la team, cette vidéo c'est pour un abonné, il m'a demandé de faire une tenue pour lui sans jogger. Du coup j'espère que cette tenue va lui plaire. Du coup la team, pour cette tenue il va vous falloir tout simplement le sac de braquage jaune. Je vous laisse l'activité en description tout simplement. Du coup vous allez voir que dans cette vidéo je vais faire la méthode de transfert avec la suite au casino. Il a été patch. Du coup là cette vidéo je l'ai fait avant le DLC tout simplement. Une fois ceci prêt, vous êtes prêt pour la tenue, du coup, let's go, c'est parti la team. Allez, hop, une fois prêt comme moi, vous allez entrer dans le magasin, ensuite vous allez vous diriger vers les pantalons flèche de droite. Vous allez dans les pantalons de sport, vous allez prendre le tout premier la team, l'ajuster citron tout simplement, 1/106. Une fois ceci fait, vous allez vous diriger ensuite vers les hauts, vous allez faire flèche de droite. Vous allez dans la catégorie des pulls, du coup on descend tout en bas. Et dans la catégorie des pulls, vous allez encore descendre tout en bas la team. Vous allez acheter le 69/93 sur le col roulé noir. Une fois ceci pris, vous allez tout simplement faire rond. Ensuite, vous allez rester dans les hauts. Vous allez dans la catégorie des gilets de braquage. Et dans les gilets de braquage, vous allez prendre tout simplement le gilet tactique sable. On prend bien le gilet tactique sable. Une fois ceci pris, vous allez ensuite faire rond. Du coup, une fois avoir fait la fait rond, vous allez vous diriger vers les chaussures. Vous allez faire flèche de droite. Vous allez dans la catégorie des baskets. Et là, vous allez descendre encore tout en bas la team. Vous allez prendre tout simplement les montants de piqûres 15/37. Une fois ceci acheté, vous allez faire rond par la suite. Vous allez ensuite vous diriger vers, vers les accessoires. Désolé. Du coup, on se dirige vers les accessoires. Une fois arrivé, vous allez faire flèche de droite. Vous allez dans la catégorie des gants. Et dans la catégorie des gants, vous allez devoir acheter les renforcés noirs. 9/72. Une fois ceci acheté, on va se diriger vers la caissière. On va faire flèche de droite. Ensuite, on va faire carré. On va sauvegarder la tenue au premier emplacement. Une fois ceci sauvegardé, on va faire rond la team. On va rester dans les tenues. On va aller dans les tenues braquage combinaison. Et là, on va descendre tout en bas. On va sélectionner entre ces quatre-là. Pour ma part, je vais prendre la jaune, tout simplement. Du coup, une fois ceci pris, on va se diriger vers la longue vue, tout simplement. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, on va tout simplement courir vers la longue vue. On va faire flèche de droite. Ensuite, on va maintenir pavé tactile. On va tout simplement aller sur style, tenue. On va mettre la tenue qu'on a sauvegardée au magasin de vêtements. On va s'éloigner. Et on aura tout simplement le masque bugué avec la tenue. Une fois ceci fait, on va se rendre tout simplement au magasin de masques pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Une fois arrivé au magasin de masques, on fait flèche de droite carré, on sauvegarde la tenue au premier emplacement. Ensuite, on va tout simplement faire option par la suite. On va aller dans en ligne activité, jouer activité créée par Rockstar, mission. On va lancer un travail de titan. Vous allez confirmer les paramètres et vous allez lancer en solo l'activité. Donc on confirme, on lance en solo. Et une fois dans l'activité, vous allez voir que vous n'allez plus avoir le gilet de braquage tout simplement. Nickel. Une fois ceci fait, on va se rendre tout simplement à l'ammunition le plus proche de nous. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé à l'ammunition, on va entrer tout simplement dans l'ammunition. On va se diriger vers les vêtements. Flèche de droite, on va faire carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement ou au dernier emplacement. Une fois avoir sauvegardé la tenue, on va prendre une tenue standard, peu importe. Pour ma part, j'ai pris la tenue bronzage. Ensuite, on va sortir de l'ammunition. On va ouvrir notre téléphone et quitter l'activité. On aura ensuite un chargement et on va spawn tout simplement en session. Et une fois avoir spawn en session, vous allez tout simplement retourner à l'ammunition. Vous allez vous diriger vers les tenues. Vous allez faire flèche de droite. Vous allez descendre dans la catégorie des tenues combinaison de voltige. Et là, on va prendre tout simplement la voltige CNT 10/14.
Une fois ceci pris, vous allez tout simplement faire option. Vous allez dans en ligne activité, jouer activité créée par Star versus. On va lancer le versus repo. Dans les paramètres de l'activité, vous allez mettre vêtements possédés, c'est très important, et vous allez inviter un ami. Une fois l'ami rejoint, vous allez lancer l'activité et vous allez spawn ici. Vous allez placer votre curseur sur tenue possédée, vous allez faire une fois flèche droite et boum, vous allez avoir la tenue sur vous. Vous allez patienter que l'activité se lance, vous allez vous mettre prêt et patienter. Et une fois dans l'activité, vous allez faire tout simplement option. Désolé, vous allez faire pavé tactile. Du coup, on fait pavé tactile une fois la mission lancée. On va aller dans style accessoire matériel, on va faire une fois flèche de gauche. Et une fois qu'on a mis une oreillette, on va quitter l'activité à travers le téléphone. On aura ensuite un chargement et ensuite on va spawn avec la tenue modée sur nous. On va se rendre à l'ammunition le plus proche de nous et sauvegarder la tenue. Du coup, on fait carré et on fait flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Et une fois ceci terminé, vous allez tout simplement vous rendre au magasin de masques pour continuer la suite. Du coup, on se retrouve une fois arrivé au magasin de masques. Une fois arrivé au magasin de masques, on va se diriger vers les casques. On va faire flèche de droite vers les chapeaux. On va tout simplement aller dans la catégorie des casques pare-balles. On va acheter le pare-balles noir. Une fois ceci fait, on va faire rond et se diriger vers les masques. On va faire flèche de droite. On va aller dans la catégorie du braquage de Diamond Casino. On va descendre tout en bas. On va acheter tout simplement la cagoule cuir jaune. 60 sur 104. Une fois ceci acheté, on va sauvegarder la tenue dans un emplacement. Et une fois qu'on va sauvegarder la tenue, on va se diriger vers la longue vue pour faire le bug des lunettes. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, on va courir vers la longue vue. Du coup, on court, on spam flèche de droite. Une fois le masque retiré, on va faire pavé tactile, on va aller dans style. On va aller tout simplement sur tenue, sur accessoire, désolé, on va aller sur lunettes. On va mettre le masque ski jaune. Vous devez l'acheter tout simplement au magasin de vêtements. Du coup, on va s'éloigner, on aura les lunettes buggées avec la tenue. On aura juste à se rendre au magasin de masques pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Du coup, on fait carré, on sauvegarde la tenue. Une fois ceci fait, vous allez lancer l'activité pour le sac de braquage. Pour ma part, j'avais transféré la tenue avant le DLC la team avec la suite au casino. Mais là, il a été patch. Où vous allez faire la deuxième méthode pour transférer le sac de braquage tout simplement. Pour ma part, j'avais transféré avec la suite au casino à l'époque. Du coup, là il a été patch. Tout simplement, vous allez faire la méthode avec le saut. Vous allez changer de tenue pour sauvegarder la tenue tout simplement avec le sac de braquage. Du coup, si vous ne savez pas comment faire, de préférable, vous devez lancer l'activité tout simplement pour le sac de braquage. Ou bien je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment transférer le sac de braquage avec la deuxième méthode. Du coup, pour ma part, j'avais transféré le sac de braquage avec l'ancienne méthode qui a été patch. C'était bel et bien avant le DLC, je tiens à le préciser. Une fois avoir fait cela, la team, vous allez sauvegarder la tenue comme d'habitude avec le magasin de masques. Et une fois avoir sauvegardé, vous avez tout simplement réussi à faire la magnifique tenue modée sans codage jaune et noir tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que cette tenue vous aura plu, la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi, je vous laisse sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go la team.